plaît. C'est pas ce que tu voulais? Si, si. J'aurais préféré un jeu d'échecs électronique. Merde, j'avais pas compris ça. C'est pas grave. Maintenant, faut que je trouve quelqu'un pour jouer avec moi. Et moi, dis donc. Je te rappelle que c'est quand même moi qui t'ai appris à jouer, non? Ouais, mais toi, t'es jamais là. Bon, on va peut-être pas s'engueuler un jour comme celui-là. Aujourd'hui, je suis là. Alors, si tu veux te mesurer au meilleur joueur de la rive droite, t'as qu'à en profiter. Tiens! Voilà Stéphane! Eh ben, dis donc, 2 heures de retard, il améliore sa moyenne, je dirais. Comme si t'étais toujours à l'heure, toi. Bon anniversaire, mon Simon. Tiens. Merci. Qu'est-ce que c'est? Bah, ouf, tu verras. Je suis désolé, hein, mais j'allais partir quand j'ai reçu un coup de fil du juge Garot. T'as vu, c'est un Valam. Il est bien! Bah, tu parles, 13 ans, ça méritait bien ça, hein? Bon, tu préfères boire un coup et manger du gâteau, ou voir Simon prendre sa pâtée aux échecs? Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est Barbara. Comme d'habitude, il veut pas rendre ses gosses. Eh merde. Il peut pas nous foutre la paix un jour comme aujourd'hui. Vous partez? Bah oui. C'est l'histoire de 2 heures. Le temps pour toi de t'entraîner un peu. Ouais, c'est ça. Vas-y, casse-toi. Tu parles pas comme ça à ton père. Ça fait chier. Le jour son anniversaire. Eh ouais, pas facile d'être fils de flic. C'est encore elle qui vous envoie, non? Monsieur Barbara, soyez raisonnable. Merci. Vous savez bien que vous devez rendre vos enfants à votre femme. Mais c'est elle qui a voulu partir, non? Puis de toute façon, elle s'en occupe mal. Leurs oreilles étaient sales, il manquait des boutons à leur manteau, non? Mon avocat a fait appel, je les garde. Est-ce que vous croyez que c'est bien pour eux de rentrer chaque week-end entre 2 policiers, hein? Mais ils sont heureux avec moi, hein? Vous ne les prendrez pas! Bon, passe par derrière comme d'hab. Dis-moi, tu... Tu voudrais pas essayer de lui parler à Simon, toi? Ne te bile pas, il a 13 ans, c'est une crise d'adolescence, ça. Allez, je te promets d'essayer. Stop! Reculez ou je tire! Oh merde. Non, monsieur Barbara, je vous en prie. Je suis pas armé. J'avance doucement et on parle, ok? Bon. Moi, je comprends parfaitement votre réaction. Hein. Bon, c'est vrai, vous avez vos droits, mais. Faut que vous compreniez que vos fils ont besoin de voir leur père et reculez, leur mère. Je vous dis! Donnez-moi votre arme, ok? Reculez! Sirovski! Sirovski! La première fois qu'on s'est croisés à l'école de police, on s'est tapé sur la gueule. Puis après, on est devenus meilleurs amis du monde. Pendant 10 ans, on a fait équipe. Et maintenant, Daniel, je sais pas comment je vais me passer de toi. Sache que je serai toujours là pour toi et pour Simon, ok? Merci Stéphane. Excuse-moi, mais je préfère rester seule. Et toi, n'oublie pas que je suis ton parrain, tu peux compter sur moi. Simon, je sais que t'es malheureux. Fous-moi la paix, t'es qu'un seul connard de flic, j'ai pas besoin de toi! Laisse-lui le temps. Je comprends que tu sois en colère, Stéphane, c'est très injuste. Ça aurait dû être moi, comme ça j'aurais laissé personne derrière moi. Dis pas de conneries, je suis pas personne, moi. C'est mourir qui est injuste. Ah, oh, tu m'emmerdes, garde ta psycho pour tes malades, d'accord? Excuse-moi, Claire. Simon, je sais que c'est dur. Même si ton père, c'était un keuf. Je te comprends. Allez, viens, tu vas pas rester tout seul. Tiens, dernier de coma pour toi. Tu l'as piqué où? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Rien. De toute façon, ce que t'as pas, tu le voles parce que personne viendra te le donner. Allez, tiens.
Viens, je l'ai. Tiens, vas-y, c'est du bon. Vas-y, tiens. T'as peur de voir quoi? Des éléphants roses? Vas-y, goûte. C'est du bon, hein? Vas-y, fume, fume. Swagman, il est trop bien! Viens, Simon, c'est Lucas qui va être content. Ah non, celui-là, je le garde pour moi. Je m'en fous de Lucas. Attends, mais c'est pas ce qui était convenu, là. Il me fout la trouille, ce type. Allez, viens, on se casse. Simon? Je voulais te dire. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Jamais tu frappes avant d'entrer? Réponds à ma question, qu'est-ce que c'est que ce Walkman? C'est un Mathieu, un type de ma classe. Tu le connais pas? Comme je fais ses devoirs de maths, il me l'a filé. J'aime pas ça, Simon. Si ses parents l'apprennent... Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je risque de rentrer tard ce soir. J'ai du boulot par-dessus la tête. Je t'ai préparé des plats tout près dans le frigo. Tu sauras te débrouiller? Bah, je commence à avoir l'habitude, hein. Ok, les stupes pour commencer, c'était une bonne idée. Mais demander ta mutation aux mineurs, t'es folle. Tu vas pas recommencer. Je te comprends pas. La brigade des mineurs, c'est quand même pas le fleuron de la police française, hein. Pour ta carrière, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus... Bon, d'accord, la crime, ça aurait été mieux. Manque de peau, ça m'intéresse moins. Remarque, je te comprends. Les gosses, c'est plus facile à coincer. Mais il s'agit pas de les coincer, il s'agit de les aider. Et puis les mineurs, c'est différent. Je pense que si on veut vraiment faire baisser le taux de criminalité dans ce pays, c'est par eux qu'il faut commencer. Ah bah la répression, vive la prévention. Non mais toi en tant qu'avocat, ça t'empêche pas de dormir quand mettre des gosses de 14 ans en prison. Et toi, mineur, tu crois que tu vas pouvoir rêver aux enfants qu'on va faire ensemble? Tiens, voilà le palais de justice. Je te jette là. On se retrouve ce soir à 8h au délice de Pékin? Non, 8h30. D'accord. Stéphane, je te préviens, si tu oublies, je ne considérerais pas ça comme un acte manqué, mais comme un passage à l'acte. Oh. Tu m'expliqueras la différence ce soir. La brigade des mineurs, s'il vous plaît. Vous êtes convoqué? Oui, Laurence Dorlaville, je suis de la maison. Le vieux bâtiment fond de cour. Ok, merci. Inspecteur Benchaïl, s'il vous plaît. Le bureau d'en face. Oui, bonjour. Alors, mon bonhomme, ça va? Encore son père? Ça peut pas durer. Il va le tuer, son môme. Bon, je vous le laisse. Faut que j'aille bosser, moi. Merci, madame. Je veux pas quitter chez moi. Écoute, Mathieu... Je veux pas quitter chez moi. Tu sais, parfois c'est difficile pour un homme de faire face à tout. C'est peut-être mieux de le laisser tout seul un peu, ton papa. Puis ça veut pas dire qu'il ne t'aime plus. Hein? Mathieu? Bonjour, mon homme. Allez, suis-moi. Je t'emmène à l'hosto. Pauvre môme. Bon, faut plus qu'il rentre chez lui. Appelle le juge et dis-lui que c'est urgent. Ça, tu vas être obligé de le faire toi-même. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas au courant? Depuis ce matin, on fait plus équipe. Ils m'ont collé avec Méro. Avec Méro? Oh, les salauds. Écoutez, Stéphane, c'est une jeune femme bardée de diplômes, de droit, de pédopsychologie, de morphologie. Mais moi, je m'en fous de ces diplômes. Ce qui compte, c'est le terrain. C'est pas parce que c'est la fille du jeu machin qu'elle connaît le job. Les mineurs, c'est difficile. C'est une question de vocation. Ça s'improvise pas. Oui, oui, je sais. Oui? Oui, monsieur le préfet, oui, je m'en occupe. Et puis, il faut de la rigueur, de l'autorité, de l'intuition, Et de la compréhension. Oui, je sais que c'est difficile. Lieutenant Dorlaville, bonjour. Commissaire. Lieutenant, je vous présente le capitaine Stéphane Delage, avec qui vous allez travailler. Enchanté, je... Capitaine, ravi de faire votre connaissance. Oh, je pensais qu'entre collègues, on se tutoyait. Y'a rien, y'a rien, vite. Mortel, le droit du excédent. T'as ton valam? Non mais tu fais gaffe, hein, tu le casses pas. Ouais, mais laisse faire les pros. Une pioche. Police! Putain. Lucas,
cas, tu nous as fait peur. Qu'est-ce que tu caches, là? Un autoradio? Pas mal. Quoi d'autre? Allez. Allez. On n'a pas eu le temps de bosser avec tous les cums qu'il y a. Donc tu te fous de moi? Je me fais chier à trafiquer le système vidéo pour que vous puissiez bosser tranquille. Et toi, en une heure de temps, ce que tu me ramènes, c'est cette merde. Et toi, Simon, qu'est-ce que t'as? T'as peur de te faire piquer? Ton papa, t'as pas appris qu'on avait rien sans rien? Tu l'as fait à mon père! Je t'interdis de parler de lui! Qu'est-ce que t'as à m'interdire, toi? Tu m'interdis rien du tout. Qui c'est le patron ici? Je veux plus bosser pour toi! De quoi je me mêle, toi? Hein? Bon, toi, ça, c'était pour t'apprendre le respect. Ça, c'est pour que tu te remettes au boulot! Arrête, Lucas, t'es dingue! Lâche-moi, tu me fais mal, mon Dieu! Pourquoi tu veux que je te brûle avec une cigarette? Lucas, j'en étais sûr. Okay. Tu tombes bien, regarde. Je viens de les choper, ils étaient en train de piquer un autoradio. Ne te fatigue pas, Lucas, ça fait des semaines que j'essaie de te coincer. Pas me coincer, tu rigoles. Je te dis, je viens de les choper. Monsieur, c'est lui. Mais je sais, n'aie pas peur. Ça va pas durer très longtemps. Tu l'as tué. Hé, tu l'as fermé, tu dégages, t'as rien vu, rien entendu, toi. Hein, Simon? Le coup est parti tout seul. T'as pas fait exprès, ça arrive. Puis t'as de la chance parce que t'es mineur, il t'arrivera rien. Mais c'est pas moi, qu'est-ce que tu racontes? Simon, t'as déjà perdu ton père. Tu voudrais pas qu'il arrive quelque chose à ta mère? Tu l'aimes bien, ta maman? Hein? La petite Julie Combet est battue par ses parents. Le père est passé devant le juge. Il est sous mandat de dépôt. La petite a été placée au foyer Saint-Clair. Bon. Le pépé violeur? Oui. La gamine a bien été violée, mais il nie toujours. Le substitut l'attendant une heure. D'accord. Ah, j'ai un gamin qui fugue pour la troisième fois. C'est pour toi, ça, Méro. Bah, pourquoi pas aujourd'hui? J'avais rien à faire. Un vol à l'étalage, des gamins forcés à la mendicité, une histoire de racket. J'ai aussi le témoignage d'une institutrice qui soupçonne qu'une de ses élèves est victime d'un inceste. Ah, je prends. Bon, je te signale qu'on fait équipe tous les deux au cas où... Pardon, ben, on s'en occupe. Oui. Tout va bien? Je vais vous casser les pieds, mais voici la dernière circulaire du ministre. Il nous demande de nous mobiliser. Encore? Il n'a qu'à venir sur le terrain, le ministre. Écrivez-lui. Les chiffres concernant la délinquance juvénile sont catastrophiques. Je vous demande donc de ne pas faire comme certains de vos collègues qui n'osent plus mettre les pieds dans certaines cités. Oui, bah dites au ministre que notre vocation ici est nous occuper des enfants victimes et que leur chiffre a triplé en 5 ans. Je n'y manquerai pas, Stéphane. Mais nous sommes aussi des flics et nous devons aussi nous occuper des mineurs délinquants. Comme si un mineur délinquant n'était pas un mineur en danger. Tard ce soir, j'ai accepté de faire des heures sup. Ça va, Simon? Je te sens bizarre. Non, ça va. Bon, alors à ce soir, je t'embrasse. J'ai remarqué, hein, Jessica, elle tourne par rond. C'est depuis qu'une psychologue est venue parler aux enfants des risques d'agression sexuelle. Mais qu'est-ce qu'il pouvait penser que la petite aurait subi des abus sexuels? Au début, j'ai pensé qu'elle était jalouse, hein, de la naissance des jumeaux. Sa mère a eu des jumeaux il y a 5 mois et puis elle s'est de plus en plus repliée sur elle-même. Elle veut même plus aller à la piscine. Vous avez essayé de savoir pourquoi? Bah oui, bien sûr, mais elle refuse de me parler. Bon, écoutez, j'ai vraiment compris quand elle m'a fait ce dessin. Hein? Le thème, c'était la famille. Alors regardez vous-même, là, vous avez sa mère et les jumeaux, hein, dans le jardin, à l'arrière-plan avec sa petite sœur, et dans la chambre, son père et elle. Vous savez, on a quand même vu des dessins d'enfants plus explicites. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est très sensibilisé à tout ce qui touche l'inceste, la pédophilie, et c'est tant mieux. Il vaut mieux se tromper que de passer à côté. Vous ne me croyez pas? On va vérifier. Hmm? Allez à l'école ce matin? Oui. Merci de vous en occuper, hein, mais faites vite, je m'en veux. Stéphane, où je te vois? Qu'est-ce qui se passe, menacé? Mauvaise nouvelle. Le fils de Silavski est à l'hôpital. Tentative de suicide. Quoi, Simon? Dis-moi, en dehors de son arme de service qui a été récupérée après son décès, il avait un flingue, Silavski? Bah évidemment qu'il avait un flingue. Merde, j'avais la balistique. Une urgence, je te laisse aller voir les petites à l'école, ok? Pas de problème. Vous êtes son père? Son parrain, comment va-t-il? Il est vivant, c'est déjà pas si mal. Est-ce qu'on peut le voir et lui parler? Non, pas encore. On sait pourquoi? Il a voulu mourir? Non. Revenez ce soir, il devrait aller mieux. Stéphane!
ma faute. J'ai rien vu. Mais non, allez, calme-toi, il va s'en sortir. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je comprends pas. Il s'est suicidé à 13 ans. Dis-moi, Mireille, tu avais gardé l'arme de Daniel à la maison? Il s'est pas servi de l'arme de son père. Il avait une arme à lui, Simon? Mais non. Madame Zilowski, votre fils s'en sortira, sans séquelles. Il a eu de la chance, la balle a glissé sur la côte. Mais je vais être obligé de faire un rapport au procureur et il y aura certainement une enquête. Une enquête? Mais pourquoi? Le corps de l'enfant présente des traces de coups violents et des brûlures de cigarettes. Capitaine de la brigade des mineurs, je m'en occupe, docteur. Trace de coups, ces brûlures de cigarettes, c'est quand même pas un jeu d'enfant. Mais c'est pas moi, je te jure que c'est pas moi. Je le sais que c'est pas toi, mais justement, j'aimerais bien savoir. Et ce flingue, il s'est procuré comment? Il doit bien y avoir une explication. Mais j'en sais rien, moi. Mais t'as rien vu, rien remarqué. Écoute, depuis que son père est mort, il a complètement changé. Avant, on pouvait communiquer, maintenant plus rien. C'est comme si j'existais pas. Pourquoi tu m'as rien dit chez son parrain, merde? Je voulais pas t'inquiéter. Daniel est mort depuis à peine 6 mois, mais je sais pas, moi, je voulais. Tu me dis pas tout, Mireille. Moi, je sais pourquoi tu m'as pas appelé. Après la mort de Daniel, Simon m'en a voulu parce qu'il pensait que je pouvais faire quelque chose pour sauver son père. Et t'as pensé la même chose. C'est pour ça que tu m'as pas appelé. Je suis désolée. Je pouvais pas faire autrement. Oh, je t'en veux pas. Tu sais, moi aussi, je pensais que je pouvais faire quelque chose. Le problème, c'est que ça ne ramènera pas Daniel. Maintenant, c'est pour Simon qu'il faut se battre, d'accord? J'aurais dû. Je sais pas. Mais toute seule, tu pouvais pas faire grand-chose. Après ce qu'il a vécu, c'était presque normal que Simon fasse des conneries. Tu sais, parfois, il faut moins qu'un deuil pour basculer de l'autre côté. Dans son lycée? Non, je crois pas. Il ne parlait plus beaucoup. Je croyais qu'avec le temps, ça allait s'arranger, mais oh, j'aurais dû déménager. La cité des fleurs, c'est de pire en pire. Tu connais ses copains? Non, je t'ai dit. Il est devenu tellement secret. D'où ça sort, ça? Bah, j'allais te le demander. De temps en temps, il portait un vêtement neuf. Je lui demandais où il l'avait trouvé et il me disait qu'il l'avait échangé contre un devoir de maths. Il est très fort en maths, j'ai cru. Excuse-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Ok, merci. D'après le numéro de série, l'arme de Simon provient d'un lot de 38 volets il y a 6 mois chez un armurier dévoué. C'est David à la PJ qui est chargé de l'enquête. Attends, Mireille, ne t'inquiète pas. Je vais lui demander s'il peut me filer un coup de main. D'accord? Allez, allez, allez. Elle est là. Bonjour. Je m'appelle Laurence. Et toi? Jessica, non? C'est ça? Tu sais, Jessica, mademoiselle Lefranc, ta maîtresse, elle t'aime beaucoup. Et en ce moment, elle s'inquiète pour toi. Tu travaillais bien en début d'année. Et là, t'as du mal à suivre. T'es qui, toi? Je fais partie de la police. Mon travail, c'est d'aider les enfants. Je suis là pour les protéger et pour les défendre quand ils en ont besoin. J'en ai pas besoin. Tu es sûre? Tu es sûre qu'il ne se passe pas des choses qui te font du mal? C'est à l'école? C'est chez toi? Il se passe des choses chez toi? Ta maman est gentille avec toi? Et ton papa? Oui. Tu viens d'avoir des petits frères, non, je crois? Oui. Ton papa s'en occupe bien? Non, il s'occupe surtout de nous. Ah, de toi et ta petite sœur? Oui, mais il me fait pas le violage. Tu sais ce que c'est? Oui,
C'est quand un papa met une petite fille dans une pièce et qu'il fait comme si c'était sa femme. Tu en sais des choses. C'est ça, oui. Et donc ton papa, il ne fait pas ça avec toi? Non. Si tu as oublié de me dire quelque chose, on peut se revoir quand tu veux. Mademoiselle Lefranc t'accompagnera. J'ai rien oublié. Tu sais, Jessica, le violage, ça peut aussi arriver aux petites sœurs. Si ton papa ne fait rien, ça va. Ta petite sœur ne risque rien. Alors ? Elle parle de violage. Votre psy a expliqué ce qu'était un viol ? Évidemment. C'est peut-être la naissance des jumeaux qui la perturbe. Est-ce que vous attendiez qu'elle fasse des aveux ? Ça fait longtemps que vous êtes mineure ? Je pense que je vais aller interroger les parents. C'est ça, ils sont impatients de se confesser. Le père, il rêve de faire un séjour en taule. On se demande à quoi vous servez, vous les flics. David, on m'a dit que je te trouverais là. Capitaine Delage, brigade des mineurs. Bonjour. Alors voilà, vitrine exposée, ça sent quand même à de l'intimidation, ça. Je vous l'ai dit, c'est un accident. Le racket, c'est un engrenage, vous devriez porter plainte. Ouais. D'abord la boutique et puis ensuite les menaces physiques, comprenez? Il n'y a jamais eu de racket. Réfléchissez. Il suffit qu'il y en ait un qui ait un peu de courage pour que tout s'arrête, madame. Oui, ou que tout brûle. Mais si vous trouvez ça normal, personne ne peut rien faire pour vous. C'est clair? Oui, c'est clair, merci. Bonne journée. Bonne journée. Depuis quand la PJ s'occupe des vitrines brisées? Mais depuis qu'un vigile s'est ramassé deux bastos de 38 dans le parking de la galerie marchande. Et figure-toi, pas un suspect. Il y aurait comme du racket dans l'air, que ça m'étonnerait pas. C'est toi qui t'es occupé des armes volées de l'armurerie d'Evry? Pourquoi tu me demandes ça? Le fils de Silovski a tenté de se suicider avec un 38, justement. Simon, il a voulu se tuer? Mais pourquoi? Si je savais. Une, deux, trois caméras pétées en parking. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas mettre un vigile sous chaque caméra, quand même. On passe notre temps à les remplacer, ils les bousillent. Et pour la vitrine brisée? Ben rien. Ils sont organisés, hein. Et vous en êtes où pour mon vigile? Thomas Bois est toujours dans le coma et on recherche toujours l'arme. Vous savez pas la dernière? Ce matin, il y a une bande des 8-10 ans. Ils ont complètement saccagé une boulangerie. Ils avaient très envie de bonbons. Bientôt, ils vont commencer à s'agresser à la maternelle. Merci. Salut. Bonjour, Jessica. Oula, va falloir leur faire prendre un bain. Elle est là, ta maman? Non, elle est chez le docteur avec les jumeaux. Tu montres ta chambre? Et Ken, tu lui fais pas prendre un bain? Il est mort, il en a pas besoin. T'as de la chance d'avoir une chambre pour toi toute seule. C'est normal, je suis grande. Ma petite sœur est couchée avec les bébés. Jessica, tu viens m'aider, s'il te plaît? Qu'est-ce que vous faites là? Je peux savoir qui vous êtes? Laurence Dorlaville, brigade des mineurs. La police? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jessica! Non, ne vous inquiétez pas, je suis juste venue vous parler. Mademoiselle Lefranc s'inquiète. Mademoiselle Lefranc? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Jessica, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Tu emmènes ta petite sœur? Alors? Il semble que Jessica ait des problèmes. Des problèmes? Et quels problèmes? Son comportement a changé, elle travaille moins bien en classe. Attendez, vous venez me voir parce que Jessica a des mauvaises notes? Alors qu'il y a une bande de voyous qui fout le bordel dans le quartier, vous, ce qui vous intéresse, c'est les notes de Jessica. C'est une petite fille intelligente, si elle travaille mal, c'est qu'il y a une raison. Une raison? Vous voulez la voir, la raison? Venez, je vais vous la montrer. La voilà, la raison. 4 millions par jour.
3 machines à laver. Pas de nuit, pas de sommeil. Jamais. Heureusement que j'ai un mari formidable, sinon je crois que je deviendrais folle. Il vous aide? Bah oui, il m'aide. J'arrive, maîtrise. Il bosse comme un fou. En plus, il s'occupe complètement des petites. Et tout se passe bien? Bah oui, tout se passe bien. Vous savez, c'est pas sorcier de s'occuper de deux gamines. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non. Qu'est-ce que j'aurais dû remarquer? Et il travaille où? Au rayon jouets du supermarché. C'est vrai que Jessica a mal supporté l'avenue des jumeaux. Depuis, elle fait des cauchemars. Je lui donne du Teralène pour dormir. Votre mari, il rentre à quelle heure? Cette nuit, il rentre pas. Il fait des heures sup. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je devrais pas. J'ai tellement grossi. C'est l'heure des biberons. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Merci, madame. Au revoir. On m'a dit que je te trouverais là. Oh, alcoolisme chronique ou déprime passagère? La même chose, s'il vous plaît. Tu as vu la petite Jessica? Je sais pas quoi en penser. Vu son attitude, j'aurais tendance à croire qu'elle a été victime d'abus et en même temps... Attends, tu penses pas qu'elle a pu être influencée par les mises en garde de la psychologue qui est venue la voir à l'école? C'est possible. C'est ça le problème. On met les gosses en garde contre les pédophiles et dans l'eau, il y en a à qui ça donne des idées. Tu as vu le père? Pas encore. S'il voit que je le soupçonne et qu'il est innocent, je risque de foutre sa vie en l'air, non? Celle de Jessica aussi. Oui, mais si tu es sûr qu'il abuse d'elle, il faut agir maintenant, d'accord? Attends, j'aimerais bien, mais j'ai aucune preuve. Et pas beaucoup de moyens d'en avoir. Je sais. On est dans des situations parfois d'urgence qui demandent beaucoup de patience. Mais ça, on peut pas échapper à cette putain de contradiction. Tu es au mineur, il faut faire avec. Allez, viens, on va s'asseoir. Comment va ton filleul? Il s'en est sorti par miracle, mais je crois qu'il est embarqué dans une sale histoire. Je vais avoir du mal à t'aider, Laurence. Bon, t'inquiète pas pour moi. J'ai pas ton expérience du terrain, mais bon. Mais tu es bardé de diplômes et ça compense, c'est ça? On trouve parfois des choses intéressantes dans les livres. Allez, promis, un jour je vais en acheter un et je vais regarder ce qu'il y a dedans. Je peux te poser une question indiscrète? J'adore ça. Non, mais c'est quoi ta famille? En dehors de Simon, je veux dire. Bien, j'ai une mère, une nièce et un frère qui a eu moins de chance que moi, voilà. Comment ça? Oh, c'est une longue histoire. Il a fait des conneries puis s'est retrouvé en taule. Je suis désolée. De toute manière, tu l'auras appris par quelqu'un d'autre, alors autant que ça vienne de moi. C'est un rapport, toi, les mineurs? Quand j'étais gosse, moi aussi, je faisais plein de conneries. Mais j'ai eu de la chance de tomber sur Ganas. Et dans un sens, on peut dire qu'il m'a sauvé la vie. Alors j'ai voulu suivre ses traces et bon. Mais j'avais un avantage sur les collègues, c'est que je connaissais l'envers du décor, tu vois. Ça, c'est sûr que je dois te paraître un peu décalée. J'ai gagné. Arrête de tricher! Je jouerai plus jamais avec toi. Oh, dis donc. Ah, te voilà, toi. Oh, maman, je suis vraiment désolée. Je vous ai oublié. Comme d'habitude, t'es vraiment nul comme oncle. Ça, Lou a raison, ça fait quand même 3 heures qu'on t'attend. Dis. Quoi? T'en fais une tête. Bon, allez, entrez. Mais quel bazar. Une pizza royale. Avec des capres. Avec des capres, s'il vous plaît. Merci. Oui, Stéphane, c'est clair. Il est 9h moins le quart, je commence sans toi. Salut. Qui c'est? Dis donc, moi je t'en pose des questions sur tes amoureux. Toi, va défaire ton sac. Allez! Bon, il faut que je te parle avant que tu sortes avec Claire, c'est ça? C'est ça, maman. Et puis arrête de tout ranger parce qu'après moi, je ne retrouve plus rien. T'es allée dans la nouvelle prison de papa? Non, ma chérie, je t'attendais. Lou, va défaire ton sac! C'est très important. Dis pas qu'elle a encore fugué. Non, c'est pas ça. Mais j'y arrive plus. Oh, maman, tu vas pas recommencer, hein? Tu arrives très bien toute seule. Laurence? Oui, excuse-moi de te déranger, mais j'arriverai en retard demain au bureau. Est-ce que tu peux passer à la balistique et me téléphoner leur conclusion sur l'âme de Simon? Ok, je m'en occupe. À demain. Tu peux pas lâcher ton boulot 2 secondes? Écoute,
Des enfants battus, un gamin qui suicide, une petite fille violée, probablement par son père. Comment veux-tu que j'oublie deux secondes? Ah voilà, votre fille pense qu'à son travail. Et c'est un peu de votre faute, monsieur le juge. À force de lui répéter que la justice n'est qu'un pis-aller, qu'il faut réformer la police. Une police préventive. Vous êtes avocat, vous n'allez pas être contre. Ma chérie, j'ai faim. Le resto Auvergnat, ça te va? Tu as vu Ganassé? Celui qui boite? Oui. Ah, c'est un type formidable. Depuis que son fils a disparu, il y a 8 ans, il a monté une association sur Internet. Ah, parce qu'il sort sur le web, les flics? Il aide les familles à retrouver leurs enfants. Bon, allez, on y va. Claire, excuse-moi, mais j'ai complètement oublié ma mère et ma nièce. C'est pas plutôt moi que t'aurais oublié? Amenu, s'il te plaît, Étienne. Attends, Stéphane, tu plaisantes. Tu vas pas dîner, j'ai un séminaire demain matin en province et je me lève à 5 heures. Bon, bah, oublie le menu, donne-moi l'addition. Alors, ta mère, ta nièce, elles ont vu ton frère? Comment il va? Comme quelqu'un qui est en tôle. Stéphane, arrête de culpabiliser tout le temps pour ton frère. Laisse-moi payer mon dîner. On va chez moi. Je meurs de faim, moi. Eh ben, c'est bien fait. Tu vois, si on habitait ensemble, la vie serait nettement plus simple. Au bout d'un mois, tu me supporterais plus. Bonsoir. Vous savez que je te trouverai là. Vous pouvez pas vous passer de bosser tous les deux, rien qu'un soir, hein? Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est l'arme de Simon qui a tiré sur le vigile et je vais devoir l'interroger. D'ailleurs, s'il a tenté de se suicider, c'est pas par hasard. Je pense que quand un homme se suicide, ce qu'il essaie de nous dire très fort, c'est qu'on vit dans un monde de merde. Et que lui, il refuse tous nos compromis. Alors peut-être que Simon ne s'est pas suicidé uniquement par culpabilité. Peut-être que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon, je vous laisse tous les deux. Bonsoir. Dis-moi, c'est pas trop mal pour une psy, hein? Enfin, malheureusement, pour Simon, il n'y a pas de doute possible. La douille trouvée dans le parking vient bien de son arme. Attends, Simon, tu le connais, c'est un ado, il peut déconner, mais de la tirer sur quelqu'un, t'es malade ou quoi? T'es quand même bien placé pour savoir qu'un gamin, ça dérape vite, non? Je prouverai que c'est pas lui. Stéphane, cette affaire relève de la PJ, pas des mineurs. Je suis désolé. Où tu vas? Oui, oui, merci, Laurent, je sais. Duchesne, qu'est-ce qu'elle veut encore? Bon, bah, dis-lui que j'arrive tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, maman. C'est moche, la santé. Et puis c'est un drôle de nom pour une prison. Bonjour, Pierre Delage, s'il vous plaît. Et ton avocat, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une bonne nouvelle, je vais obtenir une réduction de peine. C'est bien. Non, dis-moi, je viens de chercher ma crevette. Dis-moi? Je dois rester encore 10 mois à pornicher? Oh, Dieu, c'est l'enfer, pornicher. Lou, sois raisonnable. 10 mois, ça va passer très vite, tu vas voir. Et ton transfert s'est bien passé, il te manque rien? Non, non, ça va. À part qu'ici, c'est plus cher qu'ailleurs pour cantiner, mais je m'en sors. Et ta dernière UV de droit, tu l'as eue? Mention bien. Tu me trouveras du boulot en sortant. Hein, tu seras fier de moi. C'est que... Je suis content de pouvoir compter sur toi. T'en fais pas pour moi, je me suis renseigné, je connais tous les programmes de réinsertion. Attends, Pierre, le monde a changé en 6 ans. Ouais, je sais, j'ai la télé. Non, vous savez pas comment ça vous chamailler. Il reste 5 minutes. Pourquoi je peux pas rester avec toi à Paris? Lou, je peux pas m'occuper d'une petite fille. Mais je croyais que ton boulot, c'était de t'occuper des enfants. Oui, mais pas vivre avec. Je sais, mais moi, je me garde très bien toute seule. S'il te plaît, je peux te parler 10 minutes? Maintenant, j'ai pas le temps. Ah, puis ce matin, t'as pas 10 minutes pour parler avec ta mère. Maman, je suis en retard, tu me diras s'asseoir par téléphone. Allez, hop, en voiture. C'est pas des choses qui se disent par téléphone. Eh bien, tu me le diras la prochaine fois. Et tu préfères rester avec lui? Bon courage. Allez, hop! Pas de visite. Excusez-moi, c'est bien Thomas Moin, le vigile de la galerie marchande? Police, juste une question. Vous croyez que parce que vous êtes flic, il va vous répondre? Il est dans le coma. Revenez plus tard. Vous êtes qui? Capitaine Delage, brigade des mineurs. Vous avez arrêté l'assassin? L'assassin? Non, pas encore. Gérard Lucas, un ami, un collègue de mon mari. Bonjour, j'espère que vous allez arrêter ces salauds. Parce qu'on nous tire comme des lapins, on n'est pas armés, nous. La police s'en occupe, d'accord? Je suis désolé pour votre mari, j'espère qu'il s'en sortira.
Au revoir, madame. C'était nul. Allez, viens, Françoise. Bonjour. Tu vas mieux, Simon? Bon, bah, je te laisse, à plus. Vous êtes potes? Ouais. Salut. Donc, il est pas causant, ton copain. Simon, je suis là. Trop tard. Simon, il est jamais trop tard. Crois-moi. Bon, allez, maintenant, faut que tu m'expliques plein de choses. D'abord, qui t'a battu? J'ai besoin de savoir pour t'aider. Un vigile a été blessé avec ton arme. C'est pas toi qui as tiré sur lui. T'es là parce que t'es flic et qu'on t'a dit de me faire parler. Mais je suis là pour t'aider, espèce de couillon! Un flic de la PJ va venir t'interroger, alors explique-moi d'abord à moi ce qui s'est passé. Bon, tu as deux solutions. Ou tu t'enfonces dans ton silence et tu restes seul dans ton pétrin, ou tu me parles et on essaie ensemble de s'en sortir. Réfléchis bien. Bonjour. Bonjour. Je cherche Monsieur Blanc. Victor, une dame veut te voir. Bonjour. Oui, je voudrais vous parler en privé. Ah, c'est vous qui êtes passé chez moi? Vous venez avec moi, vous me suivez? Moi, je pensais que c'était à cause des jumeaux, parce que déjà, à la naissance de sa petite sœur, elle a été très jalouse. Et vous auriez une idée de qui pourrait abuser d'elle? Ah non, ça, je peux pas y croire. Enfin, elle sort de l'école pour rentrer chez nous. À part pour la danse, elle est jamais sortie toute seule. Mais enfin, il paraît que son professeur de danse est une vieille dame, alors c'est peu probable. Écoutez, il y aurait peut-être le fils de notre voisin. Il est un peu bizarre. Ah bon, c'est qui? André Romain, mais il a déjà eu affaire avec la police. Enfin, quand même, de là, il a abusé d'une petite fille. Mais je vais lui péter la gueule, moi, alors, à ce salaud! Non, mais calmez-vous, calmez-vous. Bon, et à part lui? Les seules personnes qui soient seules avec Jessica, c'est moi, ou alors sa mère. Et vous allez quand même pas nous soupçonner, alors, donc... Bon, et qu'est-ce que je peux faire, moi, alors, pour que le coupable soit arrêté le plus rapidement possible? Porter plainte. Eh oui, bien sûr. J'en parlais à ma femme. D'accord, mais faites vite. Bien entendu, oui. Je prends une cassette comme ça, si tu veux pas ça, tu sais. Combien est-ce qu'a pris le caméscope? Salaud! Meilleur police! Comment tu t'appelles? Smain. Donne-moi ce que t'as volé là. J'ai rien volé, je me fuis. Ouais, peut-être, mais je t'ai vu avec les autres. Hein. Vous voulez porter plainte? Bah, à quoi ça servirait avec vous, les flics, hein? C'est qui tes copains? Je veux un adulte pour mon interrogatoire. Bah, ça tombe bien, j'ai très envie de rencontrer ton père. Il sera ravi de savoir que tu traînes au lieu d'aller en classe. Il est mort. Je suis orphelin. Non, mais tu vis pas tout seul. Avec ma sœur. Bon, bah alors tu vas me donner tes papiers, tu vas aller chercher ta sœur et je vous attends dans une heure dans mon bureau. Fais attention avec ça, tu pourrais faire mal. Pourquoi? Vous aimez pas les dragons? Maïd! Viens voir. Viens. Viens par là, allez. Viens ici. Alors, t'es encore en train de piquer, Smaïn, hein? Mais si tu piquais, je t'ai vu. Tu sais ce que je t'ai dit? Je vous le promets. Arrête de promettre. Je le referai plus, j'arrête. Ben voilà. Maintenant, c'est trop dangereux. Ouais, casse-toi. Allez, fous-moi le cordage. Et que t'envoies poutrer dans les parages, hein?
Tu vas voir. Ça, c'est de la racaille, ça. Bon, sortie à 1, rien. Sortie à 2, rien. Sortie à 3, rien. Lieu de l'agression, noir. La caméra a été pétée. Bon, il y a juste ces deux silhouettes sur la sortie B, c'est-à-dire vers l'extérieur, mais enfin... Grossis-moi deux silhouettes, Maxi. Mais David me l'a déjà demandé, il n'y a rien en tiré. C'est peut-être eux les agresseurs, merde. Peut-être, mais il me faudrait le système de balayage électronique de la CIA et moi j'ai passé en boutique. Bon, c'est pour le fils de Silotsky, d'accord? Bon. Alors t'attends pas des miracles, hein. Parce qu'il y a extrapolé à partir d'une image qui est dans le noir... Ça demande de retravailler trame par trame, pixel par pixel. Enfin bon, je vais essayer de te bidouiller quelque chose. Trouver quelque chose? Vous le connaissez? Ça m'étonnerait, vous savez, avec tous les gamins qui traînent. Ah si. J'ai déjà attrapé une fois. Il piquait avec un copain. Et il y a une plainte? Ah oui, il y a eu plainte. Vous savez, ils sont libérés dans l'heure, hein. C'est des mineurs. Pourquoi voulez-vous qu'ils arrêtent? Ils vivent dans l'impunité la plus totale. Le jour de l'agression, vous étiez là, vous? Oui, mais j'avais fini mon service, moi. Ah, désolé, hein. J'aurais voulu vous aider. Ouais, ok. Et voilà. Ils ont touché leur RMI, ils sont bourrés. Et tous les 5 du mois, c'est pareil. Allez, bon. Jean-Laurence, tout va bien? Ça va et toi? Ça va. 48 heures de garde à vue. Ça te donnera le temps de te rafraîchir la mémoire. Je t'emmerde. Imbécile. Bonjour. Ah, change de look. L'habit fait le moine, c'est bien connu, non? Un certain laisser-aller physique s'accompagne souvent d'un laisser-aller moral. D'ailleurs, tu ferais bien de repasser tes chemises de temps en temps. Eh, pas tort. Peut-être que travailler avec une femme, ça va nous rendre plus présentables. Ah, ah, ah. Alors, l'affaire Jessica, t'en es où? Le père va porter plainte. Il pense que ça serait peut-être un de leurs voisins. Ce serait pas un inceste, mais un viol. Je suis passée voir le voisin ce matin, il n'y avait personne. Je retournerai à l'heure du déjeuner. Attention, Laurence, les hommes qui abusent d'enfants sont très rusés. C'est le père ou le beau-père? Le père, j'ai vérifié. Bon, si c'est le père, on a peut-être une chance de le faire croquer. Parce que les pères, au fond d'eux, ça sent quand même responsable de leur gosse. Stéphane? Ouais. La patronne te demande. Écoute, Benjamin, tu prends ton goûter avant d'aller à la piscine et tu fais ce que te dit Cécile, d'accord? Attends. Qu'est-ce que j'apprends? C'est l'arme du petit Silovski qui a tiré sur le vigile. Bon, ça prouve pas que ça soit lui le coupable, hein. Écoutez, de l'âge, vous êtes effectivement trop impliqué dans cette affaire. D'ailleurs, le substitut demande votre dessaisissement. Mais enfin, on peut pas laisser tomber Simon, ça serait dégueulasse. David ne laissera pas tomber Simon, comme vous dites. Et puis, écoutez, c'est son arme qui a tiré. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Tu es là, mon trésor? Je pense que c'est pas la première fois, alors. Ya wahed l'hellouf, hein. Ya khikout lik magistrat li hadouk loulat aznak. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu fréquentes tous ces voyous. J'étais là par hasard. Par hasard, hein? Par hasard? Au lieu d'être au collège? Non, mais tu te fiches de moi? De toute façon, c'est pour finir au chômage, alors. Bah, ça, c'est sûr que si tu continues comme ça. Hein. Moi, je te fiche en pension. C'est vrai, ça. Depuis quelque temps, une bande de voyous fout la merde dans les cités, alors forcément, escroc tout permis. Moi, je sais plus quoi faire. Vous travaillez? Je suis étudiante en droit. Je veux devenir avocate. Bien. Bon, Smaïn, maintenant t'as un dossier chez nous, alors tu tiens un carreau. Soyez tranquille. Je vous en donne ma parole. C'est bon, allez-y. Tu voulais me voir? Oui, oui, il faut que je te parle. Bon, mais vite fait, alors, parce que j'ai du travail. Attends deux secondes. Écoute-moi, on propose une formation de thérapie comportementaliste. Mmh. Bon, et je dois donner ma réponse avant ce soir. Tu as envie? Oui. Oui, mais le problème, c'est que je vais partir aux États-Unis pendant au moins 6 mois. Tu viendras me voir? Claire, tu sais que j'ai horreur des voyages. Est-ce que tu sais que j'étais la première et la seule Française à avoir été contactée? Mais c'est génial! Mais enfin, tu t'en fous que je m'en aille, hein? Complètement. Oui, Laurent, je rentrerai ce soir. Ou bien je m'en fous. Il y a des enfants ici. J'arrive. Un appel anonyme.
Une gamine hurle dans une cave, cité des fleurs, j'y vais. On y va, on fait équipe, non? Hein? J'avais pas remarqué. J'ai retrouvé une gamine de 12 ans violée par des voyous. J'ai plus envie de voir ça. Hein. C'est bien parce que je suis avec des flics que je refous les pieds ici. Regardez, c'est plus des caves, c'est Beyrouth. C'est bien simple. Quand je vais à la chaufferie, moi je prends mon flingue. Vous avez un permis? Ils ont un permis, eux. Et maintenant, pour 800 balles, ils peuvent s'acheter une arme. Qu'est-ce qui t'a fait ça? C'est un grand, un tordu. Il m'a dit que si ma mère payait pas, j'y passerais. Je suis tellement peur. Là, c'est fini. Hein? Il a abusé de toi? Non. Allez, viens. Il était seul, ce grand? Non, il y avait des petits avec lui, 13-14 ans. Mais le grand, c'était leur chef. Tu pourrais les reconnaître? Ils portaient des cagoules. Tu te souviens pas d'un détail qui pourrait nous aider, hein? Il y en a un. Un des gamins. Il avait une bague avec un dragon dessus. Smaïn. Je sais pas son nom, puis de toute façon, ils s'en portent tous en ce moment. T'as trouvé quelque chose? Il y a 6 mois, j'ai offert le même à Simon. Mais ça veut rien dire. C'est comme la bague de Smaïn, ils en ont tous. Je crois pas aux coïncidences. Et ensuite? Ça a commencé une semaine après l'ouverture de la boutique. On a reçu un coup de fil, une voix d'homme, qui nous a expliqué la règle du jeu. Alors on paie pour qu'il nous protège et puis... Voilà, tout se passe bien. Évidemment, si on refuse... Si vous refusez, il vous envoie du monde, c'est ça? Voilà. Des gamins, je parie. Et vous avez payé? Non. Je voulais le faire, mais j'avais pas l'argent. J'ai trop tardé. C'est de ma faute. Stéphane, j'ai du nouveau. Voilà. Merde, c'est Simon. Avec Smaïn, le petit voleur, j'ai interrogé. Le copain de Simon, il était là au moment de l'agression, dis donc. Tu vois quand tu veux. T'as pas encore tout vu. Regarde bien. Il a une arme. Et Simon? Ça, je peux pas préciser. Bon, tu... Merci, vieux. Tu me gardes toutes les bandes et tu me les passes à la machine à bidouiller, hein? D'accord? Rien, mais c'est pas un violeur. Bon, je peux le voir. Il est à l'armée depuis 3 semaines. Ah bon, où ça? À Saint-Mexant. C'est Jessica qui l'a accusé? Non, c'est son père. Blanc? Oh, c'est pas parce qu'il baisse plus sa femme, celui-là, qu'il faut qu'il le fasse payer à la terre entière. Mais enfin, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est pas de ma faute si elle a pris 15 kilos. Merci. Au revoir. Ouais.
Excusez-moi, Simon Silovski n'est pas dans sa chambre? Il a dû aller faire un tour. Simon? Simon. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Je sais que c'est ton âme qui a servi à tirer sur cet homme. Je sais aussi que Smaïn était avec toi, qu'il avait une arme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais rien. Mais qu'est-ce que je t'ai fait à la fin, bon Dieu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Lâche-moi, j'ai rien à dire! Pas si fort. Excusez-moi, votre mari va mieux? Oui, Thomas commence à réagir. Les médecins ont bon espoir. Je suis content pour vous, madame. Simon, attends-moi. Ça va aller? Hein? Allez, viens, on va s'expliquer tous les deux. Tiens, assieds-toi là. Voilà. Eh, hey, dis-moi, c'est le couteau que je t'ai offert? Non. Fous-moi la paix. Tu es sûr? Parce que je l'ai trouvé dans une cave de ton immeuble, où une gamine a été séquestrée et brûlée avec des cigarettes comme toi. Bizarre, non? Je sais rien. Elle dit aussi que dans la bande, il y avait ton copain Smaïn, celui avec qui tu étais dans le parking quand le vigile a été blessé. Tu mens. Vous avez été filmé sur des bandes vidéo, Simon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vigile vous a surpris en train de piquer, il t'a tabassé, Smaïn a tiré. Hein? Mais dans ce cas-là, vous étiez en état de légitime défense. Tu veux pas dénoncer ton copain, c'est ça? Hein? Simon, dis-moi. Je sais rien. Lâche-moi maintenant. Mais comment veux-tu que je t'aide si tu me dis rien? J'en veux pas de ton aide. Quand t'aides les gens, faut voir comment ça se termine. Tu m'en veux parce que ton père est mort et pas moi, c'est ça? Mais aujourd'hui, il s'agit de toi, Simon. Le juge va venir t'interroger, alors réfléchis, c'est ta vie qui est en jeu, la merde! Simon, je t'ai cherché partout, c'est l'heure de tes soins, tu viens avec moi? Dis-moi, Laurence, tu as l'adresse de Smaïn? Cité des Fleurs. Ah non. Ouais, je te remercie. On dégage. Attends, t'es pas saisie de cette affaire. En plus, tu vas rentrer par effraction. Écoute, si on peut prouver que Simon n'est pas le coupable, alors je vois pas le problème. Arrête, c'est quand même son arme qui a tiré. Il a pas avoué. Tu sais que c'est strictement interdit par la loi, ce que tu fais là. Regarde, poids américain, matraque électrique, chaîne de vélo. Un vrai pacifiste, ce Smaïn. Tu veux pas une collection de portables? Bon, faut prévenir la PJ tout de suite. À tous les coups, c'est lui qui a entraîné Simon. Oui, c'est ça. C'est toujours les enfants des autres, Simon est un saint. Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez une commission rogatoire? Parce que sinon, fichez le camp d'ici ou je porte plainte. Je connais parfaitement le code pénal. D'accord, d'accord, on se calme, ok? On cherche juste à voir Smaïn. Il est pas là. Pourquoi? Il a encore fait une connerie? Il est certainement mêlé à une histoire de raquette et peut-être plus grave. Alors, on se calme. Oh merde, fais chier. J'essaie de m'en sortir et lui, il n'arrête pas. Mais c'est pas une raison pour fouiller chez les gens sans autorisation. Dehors! Et votre frère, il est où? Certainement chez Dimitri Martin, au bâtiment 24. Merci. Il est pas là. Pourquoi? Il a été témoin d'une tentative d'assassinat. Moi, je sais rien.
Bon, allez, on arrête de déconner, là. Si le mec meurt, c'est 15 ans de tôle pour lui et pour Simon. Simon, tu connais? Ouais, je connais, ouais. Bon, alors t'as plutôt intérêt à nous dire tout ce que tu sais, parce que complicité de meurtre, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Je vous ai dit, je sais rien. Je sais même pas où il se cache, mais... Ah, il se cache. Mais venez le dire, là. Ah, mais nous, on n'a rien dit, hein. Mais merci du renseignement. Très jolie, ta bague. Vous aimez pas les dragons? Charmant, le môme. Bon, allez, viens. Alors? Alors tu dégages. Comme si t'énerves, c'est pas mon truc. Mais tu veux que j'aille? Arrête! Je m'en bats les couilles, tu disparais. Arrête! Ne me vire pas dehors! Le chef, t'avais prévenu. Après le coup du vigile, tu rases les murs. Vas-y. Allez, casse-toi! Casse-toi! À cause de toi, on a eu du coup, tu connard! La bande aux dragons. Vol, séquestration, raquette, ils n'y vont pas de maman, les mômes. Seulement, on n'a aucune preuve. Simon couvre Smaïn, pourquoi? Smaïn disparaît, pourquoi? Et si c'est Smaïn qui a tiré, pourquoi Simon a-t-il voulu se tuer? C'est rien. Quand Simon est né, on s'est juré avec Silovski de s'occuper de nos familles respectives si un pépin nous arrivait. Je me suis complètement planté avec lui. Arrête de te croire responsable de tout. Tu sais que les dérives des mineurs relèvent pour une large part de leur environnement social. Non, est-ce que vous pouvez être chiant, les intellos? Simon a déconné tout simplement parce qu'il manquait d'amour et d'autorité, voilà. Allô? Oui, j'arrive. C'est la petite Jessica. Tu viens avec moi? Excuse-moi, mais je voudrais être avec Simon quand le juge va l'interroger. Et puis, tu te débrouilles très bien sans moi. Okay. C'est par ici. Depuis qu'elle est revenue du déjeuner, elle est terrorisée. Je l'ai emmenée à l'infirmerie. Vous avez prévu sa mort? Mais je l'ai pas trouvée. J'espère enfin que vous allez arrêter le père. Vous attendez quoi? Qu'il la tue? Tu me reconnais? Je suis Laurence. Tu te souviens? Je peux rester seule avec elle, s'il vous plaît. Pas que tu aies peur de moi. Je suis là pour t'aider. Quelqu'un t'a menacé? Quand les papas vont en prison, c'est qui donne l'argent? Une assistante sociale s'en occupe. On laisse pas une famille sans argent. Pourquoi? Tu penses que ton père a des raisons d'aller en prison? Je dois rien dire. Tu dois pas dire quoi? Rien, c'est un secret. Jessica, y a pas de secret pour les choses qui font du mal. S'il te plaît, parle-moi. Il faut que tu me fasses confiance. Je comprends pas qui s'occupe de cette affaire. C'est moi, monsieur le juge. En fait, le capitaine de l'âge est le parrain de Simon Silovski et il est là en tant que témoin. Voilà. Ah, bonjour. Hugo. Enquête suit son cours. Monsieur Lucas, un collègue du vigile blessé. Que dit le médecin? Que Thomas a des chances de s'en sortir. J'espère qu'il se trompe pas. Bon, allez, courage. Merci. Monsieur le juge, je connais bien Simon Silovski. Il est incapable de tirer sur quelqu'un. Vous pensiez capable de se suicider? Bonjour Simon, je suis monsieur Manot, juge d'instruction. Le capitaine a dû te parler de moi. Bien, je vais t'interroger sur ce qui s'est passé exactement ce soir-là. Alors, ton arme est celle qui a tiré sur Thomas Bouin, le vigile. Elle est à toi, cette arme? Oui. Qui te l'a vendue ou donnée? C'est moi qui ai tiré sur le vigile. Je voulais des autoradios dans le parking de la galerie marchande. Il s'est approché. Il m'a menacé. J'ai eu peur et j'ai tiré. Où as-tu ton arme? Je l'ai acheté à un type de la Cité des Fleurs. Un grand. Je le connais pas. 500 balles. Mais Simon, je te crois pas, c'est pas toi qui as tiré. Capitaine, je vous en prie.
Stéphane, que tu le veuilles ou non, les déclarations de Simon correspondent exactement à nos investigations. Alors, puisqu'il avoue, il avoue. Bon, toi, je t'ai pas sonné, d'accord? Monsieur le juge, il y a une autre piste sérieuse. Ils étaient deux dans le parking. Simon et un autre garçon du nom de Smaïn. Et c'est Smaïn qui avait une arme. Justement, à propos de Smaïn, j'ai lancé un avis de recherche. Et puis, bon, le vigile a peut-être parlé, il va mieux. J'étais avec Smaïn. Mais c'est moi qui ai tiré. Alors? Il a avoué. Mais c'est pas lui. Simon est incapable de tirer sur un homme. Enfin, son père est mort comme ça. Écoutez, mais on est vraiment désolé, Mireille. Mais il ment! Je sais, madame, c'est difficile. On pense toujours que ça aussi, ça n'arrive qu'aux autres. Mais il faut bien qu'ils viennent de quelque part, ces enfants délinquants. Et toi, tu le laisses tomber. Tu ne dis rien. Si Daniel voyait ça, t'es vraiment un salaud. Mireille... Fous-moi la paix! Bonjour. Vous m'avez convoqué? Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous avez du nouveau? Oui, j'ai été voir votre voisin, Laurent André. Ah! Oui, alors? Alors, il est absent depuis 3 semaines. J'ai vérifié, c'est exact. J'ai aussi reparlé à votre fille. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a demandé ce qui se passerait si vous alliez en prison. En prison? Moi? Pourquoi? Ben, je vous retourne la question. Pourquoi votre fille pense-t-elle que vous risquez d'aller en prison? Ah, ben, je sais pas, moi. Enfin, écoutez, je suis son père, enfin, mais c'est fou, ça, vous pensez quand même pas que... Si, si, j'y pense, justement. Maintenant, calmez-vous, écoutez-moi. Si c'est vous qui abusez de votre fille, vous lui avez fait assez de mal comme ça. Mais je ne lui ai pas fait de mal. Nier sa souffrance ne l'aidera pas. La seule chose que vous puissiez faire pour le prouver que vous l'aimez encore, c'est d'avouer. Alors, vous vous trompez, mais complètement, hein? Je l'ai jamais touché. Alors, c'est elle qui ment. Mais non, non, bien sûr que non. Enfin, non. De deux choses l'une, soit elle dit la vérité, vous êtes coupable d'inceste, soit elle ment et vous êtes innocent. Alors? Je suis pas coupable, c'est pas moi. Très bien. Je vous mets en garde à vue. Vous avez le droit de passer un coup de fil, voir un avocat, demander un médecin. Garde à vue, mais puisque j'ai rien fait? Et puis j'aime ma femme et mes enfants, moi. Je vous le jure, hein. Ben vous avez jusqu'à demain matin pour réfléchir. Mais puisque je vous dis que je suis innocent... Oui, c'est ça, oui. Vous voyez pas que vous êtes en train de lui foutre sa vie en l'air, votre fille? Elle a déjà honte de son corps, elle pourra plus jamais sentir digne d'être aimée. Ben vous lui préparez un bel avenir, monsieur Blanc. Bravo. Maintenant, veuillez, monsieur. Et ma femme, alors? Elle sera prévenue. Ah bah non, vous allez quand même pas lui raconter des... Mais je sais ce que j'ai à lui dire. Suivez-moi. Garde à vue. C'est franchement dégueulasse. Il y a d'autres choses qui sont dégueulasses. Allez, ça va. Il peut venir ton père. Tu vois, il va être content quand il va apprendre que tu vas te démoder. Il s'en fout, mon père. Néro, je la mets au bureau. Allez, à moi. Je suis sûre qu'il a vu de sa fille, j'en suis sûre. Putain, il nie. J'ai envie de lui casser la gueule à ça. Ça, on s'y fait jamais. Ça en fera peut-être une de sauver, même si on peut rien pour les autres. Moi, j'en peux plus, moi, j'en peux plus de toute cette détresse. Et si vous vous faisiez aider? Ça changerait quoi? Ça vous changerait, vous? Ce serait un début. Qu'il aille mieux. Bon, ben, je vous admets sûr avant qu'il ferme. Je vais sortir avec toi, je vais prendre un café. Ah mince, j'ai pas pris de monnaie. Ben, écoute, vas-y. Okay.
Non, je ne le connais pas, ce monde. Pourquoi, c'est lui qui a bousillé mon copain? Je croyais que c'était le gamin qui s'est suicidé. Comment vous savez ça, vous? Bah, c'est Lucas, il passe son temps à l'hôpital à le veiller comme si c'était son pote, Thomas. Pourquoi c'est pas son pote? Ouais, c'est devenu, quoi, depuis qu'il est malade. À mon avis, il en place plutôt pour sa femme, mais... Excusez-moi. Allô, oui. Oh, non. Quand? Merci, Lucas. Thomas vient de mourir. 26 ans, putain. 26 ans, ça se fait buter pour 6000 balles par mois, c'est dégueulasse. Mais merde, j'ai encore fait de lui lire. On a un Manito qui déconne, ça. Mais Lucas, c'est votre électronicien? Avant de travailler pour nous, il était dans une boîte d'informatique. Ok. Bon, allez, courage, hein. Je vous présente mes condoléances, madame. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendue 5 minutes pour faire des photocopies et... Mais je comprends pas. Il réagissait, il allait bien. Excusez-moi. J'étais sorti prendre un café, 2 minutes à peine. Puis quand je suis revenu, j'ai vu que Thomas... Voilà, j'ai appelé les infirmières, puis après c'était la panique, quoi. Oh, excusez-moi. Un petit peu. Oui. Merci beaucoup. C'est quoi cette histoire? Bon, mais je viens de parler avec le toubib, alors c'est évident qu'il y a un truc qui cloche dans cette mort. Il va y avoir une autopsie. Qui aurait eu intérêt? Mais... Excusez-moi, vous n'avez rien vu? Non, enfin, comme j'étais au commissaire, j'ai vu un gosse qui courait dans le couloir, c'est tout. Un gamin, mais comment? Je sais pas, j'ai pas bien vu. Un gosse, quoi, 14, 15 ans. Maghrébin, je crois. Excusez-moi. Smile? Possible. En tout cas, l'avis de recherche n'a rien donné, alors j'ai fait doubler les effectifs. Mais t'inquiète pas, on va bien réussir à le choper ce moment. On fait ce qu'on peut, hein. Simon, le vigile vient de mourir. Maintenant, c'est plus une tentative d'homicide, c'est un meurtre. Tu sais, quand j'étais gamin, je faisais plein de conneries avec mon grand frère. Puis un jour, il s'est fait piquer, il a fait de la tôle. Et je trouvais que c'était pas juste. Alors quand il est sorti, qu'il a braqué un supermarché, qu'il a blessé un gardien, j'ai voulu m'accuser à sa place. Et j'ai eu de la chance de tomber sur un flic comme Ganassi, il m'a pas cru et ça m'a sauvé, crois-moi. Alors Simon, il est temps de revenir sur tes aveux. C'est moi qui ai tiré. Pas Smaïn. Simon, je t'en prie. T'es pas mon père. Fous-moi la paix! Dieu me veut toujours à Somniac. Il a raison, je travaille mieux la nuit. Entre. Des nouvelles de ton fils? Ça fait si longtemps. Aujourd'hui, mon fils aurait cette tête-là. À peu près. Et alors, pour Simon? Oh, pour Simon, je sais plus quoi faire. La vigile vient de mourir et... Simon maintient que c'est lui qui a tiré, alors qu'est-ce que je fasse? Il va falloir qu'on soit là pour mirer. Je vais surtout se cotiser pour lui payer un bon avocat. C'est pas lui, l'assassin. Rappelle-toi, moi, quand j'ai voulu payer pour un autre, tu m'as pas cru. Hein? Ah, pour Simon, c'est pareil, je sens que c'est pas lui. Mais tu sens, tu sais bien que ça pèse pas lourd devant un tribunal, ça.
Tu sais, il y a des soirs, je sais pas pourquoi je fais ce boulot, vraiment. Simon va peut-être se rétracter. Tu sais bien qu'on dit toujours la vérité à la fin. Souviens-toi. Hein? Ouais, t'as raison. Seulement, si j'avais fait de la tôle, je serais peut-être devenu un assassin. Va savoir. Non, t'avais pas la vocation. Bah justement, c'est pour ça qu'on se bat, pour que Simon ait une seconde chance. Tiens, regarde. Une gamine vient d'être trouvée. Et mon fils est toujours dans la nature. C'est la vie. Oui. Claire, j'ai des soucis. Je suis vraiment désolé. J'ai ganassé. Oui. Demain. Promis. OK. Elle est beaucoup plus amoureuse que toi. Tu vas la faire souffrir. Encore à 2h du mat. Toujours ton histoire d'inceste, là. Hein? Le père est coupable, j'en ai l'intime conviction, mais j'arrive pas à le faire avouer. Comment est-ce qu'on peut être aussi abject? Vivement que tu changes de service. Je veux plus changer. Je croyais que t'avais un plan de carrière tout tracé. Bah ouais, moi aussi je le croyais. Mais écoute, quand tu vois toute la journée des gosses en danger, des mômes qui ont besoin de toi, tu dis que si toi tu fais rien, personne ne fera ta place. Bah ouais, moi aussi je suis en danger si tu dors pas avec moi. Viens te reposer un peu. Ouais. Quoi? Merde. J'arrive. Désolé, c'est de ma faute. Docteur Vernier, médecin de garde. Monsieur Blanc m'a fait appeler hier soir, il n'arrivait pas à dormir, j'ai rien vu. Mais enfin, comment ça, rien vu? Il m'a volé une bouteille de sérum physiologique, il s'est taillé les veines avec. Moi, je vous rassure, l'artère n'est pas touchée. Enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Oh, foutez-lui la paix, il est trop faible. Arrêtez. Hein, qu'est-ce qui vous a pris? J'ai peur. Peur de quoi? Peur que Jessica vous dénonce, c'est ça? Non. Est-ce que vous croyez qu'elle n'a pas peur, elle, quand vous abusez d'elle? Parce que vous abusez d'elle, non? Ça suffit maintenant. Hein? Il est pas en état. Bah alors? Il est sauvé, mais il veut toujours rien dire. T'es sûr qu'il est le coupable? Je sais plus comment m'y prendre. Je suis le capitaine de la brigade des mineurs. Pourquoi vous avez voulu mourir, monsieur Blanc? Vous a maltraité? Oui. Oui, vous... Vous m'interrogez comme un criminel et vous me mettez en garde à vue. Je sais même pas ce que vous dites à ma femme. Je vais perdre mon boulot, mes amis, vous voulez que j'ai pas peur? Oh, on se suicide rarement en garde à vue, vous savez. Vous aviez peur de vous, n'est-ce pas? Eh oui, c'est vrai qu'on a tous peur de nos fantasmes, de nos pulsions. Quand on en a peur au point de vouloir disparaître, c'est que cette pulsion nous déborde. Non. C'est pourtant ce qui s'est passé en vous. Vous avez voulu tuer parce que vous aviez peur, c'est ça? C'est dur d'être seul face à soi-même. Je vous écoute, monsieur Blanc, allez-y. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Ben, vous serez soulagé. J'ai peur que ça recommence. Quoi? Jessica. Jessica, je l'aime trop, c'est... Chaque fois je me dis, c'est la dernière fois, je recommencerai puis... Puis c'est plus fort que moi. Je me supporte plus. Depuis combien de temps? Bon, ça suffit, allez. On l'embarque, on l'interrogera demain. Je crois que j'étais trop émue pour être vraiment efficace. Tu sais, au début, on est tous comme ça. Malheureusement, on apprend. Tu as été formidable. Bof. Hmm? Allez, on va dormir, nos petites sœurs. OK? Mmh. Merci, Stéphane. Thank you.
Bonjour, Jessica. C'est vrai que mon papa, il va aller en prison. Pour un petit moment, oui. Parce qu'il a fait des choses qu'il aurait pas dû faire avec toi. C'est pas comme ça qu'un papa doit aimer sa petite fille. Toi, tu voulais de la tendresse et il a triché. Il a dit qu'il te demandait pardon. Pour toutes ces choses, justement. Ce qui arrive n'est pas de ta faute. Tu me crois? Je voudrais qu'on me change ma tête. Je comprends. Je comprends. Je suis venue pour en parler avec ta maman. Tu sais, il y a des docteurs dans ce métier d'aider les gens qui ne vont pas bien. Je pense que ça serait important que vous alliez en voir un, ta maman et toi. Hein? Jessica! Tu viens, on va parler avec ta maman. Bonjour. Comment allez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je m'en veux. Je m'en veux tellement. Mais il faut que je tienne. Pour les enfants. Et des fois, je ne sais pas si j'arriverai à tenir toute seule. Mais si, vous y arriverez. Vous êtes forte. Vous voulez prendre un café? Volontiers. C'est à qui ce bébé? Il était dans mon bureau. Tu t'y connais, toi, mon bébé? Mais il est trop mignon, il est à qui? Je sais pas, ce que je voudrais savoir. Hein. Mais où est-ce que tu étais passé? Qu'est-ce que j'ai eu peur? Madame, vous pouvez pas oublier vos enfants à chaque fois que vous faites les courses. Je vous préviens, si c'est moi qui le trouve, la prochaine fois, je le garde. Eh bien, je saurais où venir la chercher. Bon. Oh, viens, mon petit amour. Au revoir. Oui, au revoir. Hein. Dans 10 ans, ça fera un petit voyou, comme ceux de la cité. Et où? Les journaux, les flics, maintenant? Dès qu'il se passe un truc, c'est ceux de la cité? Mais bien sûr que c'est pas tous des voyous, on sait que t'en viens de la cité. Eh, mais roule, il est statistique, bordel. Il y en a que 3% qui foutent la merde. Les autres, ils subissent leurs conneries et la tiennent par-dessus le marché. Ouais, bah, 3%, c'est déjà de trop. Oh, rangez-moi ces pilules, Méros. Et prenez rendez-vous avec le médecin-chef. Oui, pour que ça me coûte mon arme. C'est un ordre, Méros. Allez, venez avec moi. Bah, déjà là? J'arrivais pas à dormir. Duchesne veut nous voir, tous les deux. Qu'est-ce qu'elle veut encore? On va le savoir. Oh, si tu pouvais éviter de cloper dès le matin. Tu as quelque chose de changé, toi? Myope. Oui. Lou? Bon, maman, je t'appelle dès que j'ai des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Bien assez, faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Lou a encore disparu. Oui. Prépare un avis de recherche national. 10 ans, 1m20, yeux verts. Est parti de Pornichet ce matin, probablement en route vers Paris. Fais surveiller les gares, hein. Surtout la gare Montparnasse. Tu veux que je t'accompagne à Montparnasse? Non, non, merci, mais si elle est partie ce matin, elle est pas encore arrivée. Tu peux mettre sa photo sur Internet? Pas de cul. Oh, la petite Lila Benjella, elle a porté plainte, violation de domicile. Non, mais c'est quoi encore cette connerie? Ah, vous voilà enfin. Bravo. Au début dans la brigade. Alors, en attendant qu'on fasse la lumière sur cette affaire, vous allez tous les deux prendre des petites vacances. Ça vous fera le plus grand bien. Mais je... D'abord, l'affaire de Simon, maintenant c'est la PJ. Racket, trafic d'armes, c'est plus pour les mineurs. Allez, disparaissez. Putain de merde, des vacances. Chut. Te plains pas, on n'a pas eu le droit au blâme. C'est pas bon pour ton CV, ça, hein? Mais je m'en fous de mon CV. Oh, c'est nouveau, ça. Des nouvelles de Lou? J'en parle. Tu maintiens la pression, hein? T'en fais pas. Elle est débrouillarde, ta nièce? Oh, trop, elle croit que le monde lui appartient. Allez. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je suis désolée pour la plainte. Je suis passée la retirer. Ah bah... C'est vraiment sympa. Fallait pas vous donner cette peine. Mais rentrer chez les gens comme ça, ça ne se fait pas. Même si vous êtes flic et que nous, on est beurre. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Smaïn a disparu. Aucun de ses copains veut me dire où il se cache. Je sais pas ce qu'il a fait, mais là, c'est grave. Je vous en prie, retrouvez-le avant qu'il lui arrive malheur. Vous savez, nous aussi, on a besoin de le retrouver. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Encore une connerie?
Elle a été témoin d'un meurtre. Je supplie, arrêtez-le avant qu'il soit trop tard. J'ai pas envie d'avoir un frère en tôle. J'ai trouvé ça dans sa chambre. Un 38. Chargé en plus. On vous remercie beaucoup, mademoiselle. Allez, vous inquiétez pas, on va aller retrouver votre frère. Allez, rentrez chez vous. Allez. Merci. Oui? Qu'est-ce que tu fais là? T'avais pas pris tes lentilles de contact ce matin? Oh, c'est gentil, merci. Excuse-moi, mais là, je suis pressée. Stéphane Delage, Olivier Garnier. Oh, bonjour. Enchanté. Tu rentres tard, non? Pourquoi? Bah, les invités. On a un dîner. Hein. Tu fais les courses? Non, j'aurais pas le temps, fais-les toi. Moi non plus, j'aurais pas le temps. Bah tant pis, on ira au resto. Il a du courage, ton mari. Hein. Bon, c'est pas mon mari. Hé, hey, Tourtereau, j'ai un truc intéressant à vous montrer. Hé, hey, tu peux me dire d'où ça vient? Ouais, plus tard. Regardez. Là. Bah, sorti à trois, et alors? Et alors, tu remarques rien? Les caractères ont été agrandis. Les codes ont été trafiqués, ils ont été ajoutés sur les originaux. Ça veut dire que le soir du crime, quelqu'un a quitté les lieux par la sortie à trois qui veut pas qu'on le sache. Voilà. Le troisième homme. L'assassin, alors? En tout cas, un type balèze en informatique. Putain, Lucas! Merde! Ah oui, il est le dernier à avoir vu Thomas Boin vivant. Lucas, le salaud, c'est lui le grand qui manipule les mômes. Marine! Marine! Je sais que t'es là, Asmaïd. Tu sais, si Borg te trouve avant moi, aïe aïe aïe. Asmaïd. Asmaïd. Oh. Allez, sors de là. Tu m'échapperas pas, Asmaïd, cette fois. C'est fini. Eh, t'es mieux sans lunettes. Merci. T'es sûr que tu vas pas attendre David, il arrive avec des renforts. Non, 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 j'ai peur pour Smiley. Allez, on se dépêche. C'est bon, on va se retrouver à la circulation. Alors c'est quoi cette histoire de bande? Mes bandes vidéo trafiquées? Et pourquoi? Quelqu'un a voulu effacer tout ce qui concernait l'assassinat de Thomas Boin. Ouais, bah c'est pas moi. Et Gérard Lucas, il est où? Mais il est quelque part par là, dans le parking. C'est lui qui a donné à la PJ les bandes concernant l'assassinat de Thomas Boin? Ah, moi j'y connais rien, il y a que lui qui y touche. Ta gueule. C'est lui qui connaît en bidouille. Il est vachement fort en informatique. C'est ça, mais raconte ma vie, connard merde! Tiens, le voilà, Lucas. Il est là. Ouais, Lucas, tu peux monter, s'il te plaît, les flics veulent te parler. Enfin! Putain, il est en train de se tirer! Bon, couvre-moi, mais fais gaffe, hein! Police, arrête de fuir! Bon, lâche ton arme! Jette ton arme! Recule! Recule! Lâche ton arme ou je tire. Bouge-moi, bouge-moi. Mais t'es folle, t'aurais pu le faire, merde. T'inquiète pas, je rate toujours mes cibles. Mais pauvre con, vous avez rien contre moi, rien du tout. C'est pour t'arrêter, Arthur. Ah, moi, je serais mon poste pour pieds comme des grands mains, tu vois. Les mecs comme toi qui manipulent les hommes, ça me donne envie de gerber. C'était plus fort que toi, tu pouvais pas attendre, hein. Allez, viens. Hein? Je croyais que les mineurs n'aimaient pas jouer au cow-boy. Ah bah tu vois, pour une fois. Hein. Marquez-le. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait, le gamin là? Je te le laisse. Plus de conneries, je vous jure. Je veux pas aller en taule. Je te ferai un double de l'interrogatoire. Pas par coursier, hein. Allez, on se dépêche. C'est Lucas qui a enlevé Louise, la fille du magasin de fringues? Oui, pour son racket. Les coups, les brûlures de cigarettes. C'était son truc à Lucas. L'appel anonyme, c'est moi. Et les armes, c'est lui qui vous les a fournies? On lui a piqué.
Il en a une caisse planquée dans le box du parking numéro 24. C'est la caverne d'Ali Baba, avec plein de TDC. Des quoi? Des tombées de camions, des caméras, des télés. Il se faisait plein de blé avec. Intéressant. Oui. Allez où? J'arrive! J'arrive! Mais enfin, t'étais où? Vous êtes complètement fou de laisser une gamine de cet âge traîner toute seule dans les gares. Vous êtes aux mineurs, c'est pas à vous que je vais apprendre que les gares, c'est dangereux. On y trouve toutes sortes de salopards. J'ai tellement peur. Je sais que c'est pas bien de fuguer sans prévenir. Allez, 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 allez. Merci, messieurs, hein. Merci. Oui. Toi, viens avec moi qu'on s'explique. Ah bah ça y est, tu l'as retrouvé. Eh. Dis-moi, le médecin va garder Smiley en observation, on l'interrogera demain. Très bien. C'est qui, elle? C'est Claire? Non, elle, c'est Laurence. Bon, hé, oh, c'est moi qui pose les questions, d'accord? Allez. Allez, viens. Alors, tu m'attends là parce que j'ai quelque chose d'urgent à faire. Et tu es sage. Promis. Allez, hop. Vraiment un imbécile, toi. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Avouer un crime que tu n'as pas commis, mais tu t'imagines qu'il t'aurait fichu la paix, Lucas? Jamais, tu comprends? Tu n'as pas... C'est pas lui, c'est ça? Mais alors pourquoi tu t'es accusé? Tu sais, c'est qui te l'a dit? Lucas est tombé, il est en tôle. Lucas, mais c'est qui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vas-y, vas-y, raconte. Avec Smaïn, on volait un peu. Et puis un jour, on s'est fait choper par lui. Il a dit qu'il fermerait les yeux si on volait pour lui. C'était facile, et on gagnait plein de fric. Et puis il nous a demandé de casser les vitrines, faire peur. Mais pourquoi? Pourquoi tu m'as pas fait confiance? Pourquoi tu m'as rien dit, sinon? Tu crois que c'est facile, fils de flic? T'es comme papa. T'arrives, tu juges, tu décides. Fous-moi la paix. Pour que tu saches, Simon, ton père était fier de toi, très fier. La vie lui a pas laissé le temps de te le dire, mais il t'aimait, ok? Facile à dire. Simon, qu'est-ce qui te prend? En fin de compte, la seule chose que tu lui reproches à ton père, c'est de s'être fait tuer, hein? Mais ça, faut que tu l'acceptes, Simon. Et tu deviendras ce qu'il a toujours voulu que tu sois. Un mec bien. Hein? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh, il sera cité comme témoin avec les autres gamins. Mais t'inquiète pas, je serai là, Mireille. Hein? Stéphane, on m'a piqué ma montre. Ben, c'est pas moi, pourquoi tu dis ça, moi? Je sais bien que c'est pas toi, mais c'est quand même à toi que je le dis. Ben, dis-moi, Méro, il a changé ses médocs ou quoi? Ah, Méro, moi j'en peux plus. Demain, je me mets aux antidépresseurs. Tiens, au fait, regarde. Ça serait sympa d'aller délivrer Ganassé. Non, non, vous n'avez pas recommencé. Comment vous pouvez travailler dans un désordre? Oh, merde. Je vous assure, Betty, je m'y retrouve très bien, moi, dans mon bordel. On dit ça. Te voilà, toi. Maman, Lou, enfin, dans mon bureau tout de suite. Merci quand même. À gauche. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bien, maintenant on va s'expliquer tous les deux. Non, attends, faut que je te parle. Lou, va dans le couloir, s'il te plaît. Ah non, c'est vrai. Toute seule. Vous voulez que j'aille avec elle? Allez, viens, Lou. Merci, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que ce cirque encore? Stéphane, je suis beaucoup trop vieille maintenant pour m'occuper d'une enfant aussi vive. Pilou ne veut qu'une chose, habiter Paris, près de son père et avec toi. En plus, c'est une voleuse. Qu'est-ce que tu dis? Lou est une voleuse, elle vole. Elle vole quoi? N'importe quoi. Tout ce qui lui tombe sous la main. Bon, maman, si tu veux que je m'en occupe, trouve autre chose, dis pas n'importe quoi. N'importe quoi? Regarde. C'est quoi, ça? La montre d'un de tes collègues. Dans son sac à dos. Alors, je suis désolée, moi, la jeunesse d'aujourd'hui, hein, ça me dépasse. Euh,
Excuse-moi, Mérou, mais j'ai retrouvé ta montre. Oh. Merci, Stéphane. De rien. Et avec tes petits camarades, ça se passe bien? Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais quand même pas la prendre chez moi pour la rapprocher de son père. Enfin, son père est en prison, c'est pas facile pour elle non plus. Mais tu sais, la vie que je mène, y a pas de place pour une gamine. Mais tu peux la prendre avec toi quelques jours, t'es en vacances forcées, non? Bon, alors ça veut dire que j'installe ma mère et ma nièce chez moi et je vais à l'hôtel, c'est ça? Mais va chez Claire, elle demande que ça. Mais Claire, elle part aux États-Unis. Et bah, raison de plus! Arrête de tricher! Mais c'est pas ma faute si je gagne! Lou, j'ai bien réfléchi. Tu vas rester à la maison quelques jours. T'as vraiment de la chance que j'ai une semaine de vacances, hein? Tiens, maman, plat les clés, vous filez à la maison tout de suite. Allez, oust! Allez, viens, ma chérie. Puisqu'on est range. Allez! Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Lou. Et bougie anti-tabac. Excuse-moi. Alors, le Fisilovski sorti d'affaire, tant mieux. On se croirait dans une église, là. Bougie anti-tabac, ça te dérange? Non, non. Content de t'avoir parmi nous. Merci. Dis, tu fais équipe avec moi ou avec lui? Bah avec toi. Ah. Ça va, Hussein, ne te manque pas trop? Je voulais m'excuser, j'étais un peu désagréable avec toi. Mmh. Oh, une équipe, ça se fait pour un jour. Les courses? Claire? Mais je croyais que... Oh non, écoute, je suis crevée. Là. Attends, 20h au délice de Pagan ce soir? Non, c'est pas possible, j'ai ma mère et ma nièce, moi. Au resto, d'accord. Tous les trois? Bon. Bon, bah... D'accord.